tout, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, petit haul Ikea, j'espère que ça va vous plaire. Juste à la fin, il y aura un moment, déjà il y aura les prix ici, et à la fin, vous aurez là où en fait où je vais positionner les affaires pour l'appartement pour faire du rangement. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter, et on se retrouve tout de suite pour le haul. Et si je suis pas chez moi, je suis chez mes parents, donc c'est pour ça. Donc déjà, j'ai pris un tout petit plaid. Là, je vois, en fait, il est gris bleu, très très mignon, avec des petites franges. J'ai repris pour le coussin une housse pour le coussin. Elle est beige. Elle fait 65 par 65, donc parfait pour mon petit pour mon coussin rose. Ils sont un peu en velours. J'ai pris le même pour le coussin. Je suis désolée pour le contre-jour, je vais essayer de tenir. Ouais, peut-être comme ça. Donc j'ai pris le même pour un coussin qui est plus rectangle. Et aussi un bleu gris pour aller avec ça. Donc de toute façon, à la maison du monde, j'ai aussi acheté des housses de coussin. Donc je mettrai tout ça ensemble. Attendez, hop, j'arrive du côté de la cuisine. J'ai acheté trois petites boîtes comme ceci. Il y en a une blanche toute simple et les deux autres, elles sont noires. Donc c'est pour ranger en fait les verres. Je vais voir ce que je vais faire avec dedans. Ou même par exemple le riz, tout ce qui est riz, semoule. Donc on va voir comment je vais gérer le rangement. Donc j'en ai pris trois. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais j'en ai déjà à la maison. C'est en fait, c'est des demi-étagères qu'on installe et après on les met et après on les met là où il y a les placards. Et en fait, ça fait comme une étagère, donc on peut mettre des choses en dessous et des choses par-dessus. J'ai pris deux demi comme ça. Et une qui est un peu plus grande. Et c'est la même chose, c'est le même principe que pour les deux autres. J'ai pris pas mal de choses pour la cuisine. J'ai pris deux pots comme ça noirs. Je sais pas trop quoi en faire pour le moment. Mais je suis sûre que j'ai trouvé une petite idée. Ça c'est sûr, même à 100%. Dans la cuisine aussi, j'ai acheté une fausse plante tombante. Donc on la remettra bien quand je serai à Poitiers. Parce que là elle part un peu en cacahuète. Et j'ai aussi pris des fausses plantes en cactus. J'ai aussi pris des petits clips pour fermer tout ce qui est les sacs de riz, sacs de nourriture. Commencer une toute petite poubelle grise pour mettre en fait les sacs plastiques. Quand on a besoin d'aller faire des courses, oh, c'est juste quelques sacs quand on va faire des courses dans le centre-ville. Et après, j'ai pris une grande poubelle. Une grande poubelle pour mettre tout ce qui est tout ce qui est bouteille vide. Parce que celle que j'ai tout cassé. Je l'ai cassée à cause d'une bouteille d'eau l'année dernière. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits rangements aussi. Donc, en fait, c'est un petit rangement comme ceci. Et vous avez la poignée par-dessus et c'est des compartiments. Donc je ne sais pas trop, je pense que je vais mettre plutôt dans le placard de l'entrée. Donc j'en ai pris un et un deuxième, j'en ai pris deux comme ça. J'ai aussi pris des petits paniers comme ça pour ranger des petites choses dedans. Ceci, il est gris et j'ai pris un blanc en ferraille. Donc je trouve que c'est plus solide et en plus avec une petite poignée, c'est pas mal. J'en ai pris un très grand. J'ai à peu près tout. Un très grand pour mettre en fait, ce sera surtout dans le placard pour mettre tout ce qui est produit d'entretien. Pourquoi pas mettre un dans la salle de bain. Je crois que celui qui était à côté, c'est pour la salle de bain, pour mettre tout ce qui est médicaments.
Je verrai bien de toute façon. Pour la salle de bain, j'ai un petit meuble comme ça, sur 3 étages avec des roulettes. Je crois qu'elle était à moins de 10 euros. C'est pour mettre le papier toilette surtout et d'autres petits produits. Je m'en servirai de toute façon. Et en dernier, j'ai pris deux rangements comme ceci pour là-haut. Des petits paniers pour mettre sous le portant de vêtements. Parce qu'il y a pas mal de bordel, donc je mettrai des sacs dans un côté, peut-être des couvertures dans l'autre. Je vais voir comment je vais gérer tout ça. Et je crois que c'est tout ce que j'ai pris, en tout cas pour chez Ikea. J'ai pris, comme vous avez vu, Asos Trengren et... sur Amazon, j'ai pris pas mal de petits trucs pour réaménager l'appartement. J'espère que ça vous plaira cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas, voilà, surtout la vidéo est terminée. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter et on se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!